auditeurs et auditrices, nous sommes de nouveau en compagnie du père Léopold Pigeon, qui continue à échanger avec Richard Sauvé sur le sujet presque inépuisable de la rivière Blanche. Donc, votre livre, c'est basé sur des écrits d'Oblats seulement? Oh non, non, non. Il y a pas de... Il y a les codex historicus des Oblats qui m'ont aidé, hein, pour la partie des Oblats. Mais tout le reste, j'ai dû aller jusqu'à Québec, fouiller dans des archives, pour avoir... C'était tellement intéressant, je ne pouvais plus m'arrêter. Alors, donc, vous voyez que c'est comme ça. Pour connaître Hamilton, ou enfin Portland, qui s'appelait dans ce temps-là Wakefield, voilà Québec. Il n'y avait pas assez d'informations ici à Hull ou à Ottawa. Ben, vous savez que des archives à Hull ont passé au feu, hein, en 1900. Ah, d'accord, d'accord. Alors d'accord. Ça, c'était une grosse perte, ça. Après 1900, là, on a tout ce qu'il faut. Mais avant 1900, alors là, il y a quand même des livres qu'on a trouvés aux archives qui nous donnent, par exemple, les lettres patentes de tous les gens qui ont habité autour du lac. Ça, ça va être l'objet d'un troisième livre. Ah. C'est le lac McGregor. Avec les îles et ceux qui ont habité, les premiers qui ont habité autour, là, tous les premiers, là. Alors, on a trouvé leur lettre patente. Voyez-vous? Là, vous allez m'expliquer lettre patente. Moi, ben, je suis enseignant, quand, mais... Regardez bien, quand vous partez, vous en allez dans une région, puis dites, ah, tiens, moi, j'aimerais avoir ce morceau-là ici, là. D'accord. Il y avait ici à Ottawa ou ailleurs, là, un agent des terres. Vous alliez là, puis vous disiez, écoutez, moi, je suis prêt là, à payer ce qu'il faut. Ça coûtait peut-être 2-3 $ de l'acre, pas plus. Alors, vous achetiez conditionnellement au commencement. Il vous disait, on vous le vend conditionnellement. En d'autres termes, quand vous aurez rempli les obligations attachées à la vente, on vous donnera vos lettres patentes. La lettre patente, c'est le certificat par lequel vous êtes assuré que c'est à vous maintenant. Définitivement. Ah. Et là-dessus, on met le prix que vous avez payé et tout. Puis là, non, c'est définitif. Là. Ah, c'est final. Bon. C'est pour ça qu'on entendait parfois des terres de la couronne ou des terres privées. C'est privées. Ça. Toutes ces terres-là appartenaient à la couronne. Bon. Tout ça, ça appartenait à la couronne, puis vous alliez acheter votre lot. Ça pouvait être aussi grand que d'ici ce coin-là jusque-là. Ah oui, c'est immense. Ça pouvait être un mille. C'est à peu près un mille, ça, là, par un demi-mille, voyez-vous, là. D'accord. Et alors, c'est immense. Aujourd'hui, c'est tout découpé en petites propriétés, ça. Ah oui, effectivement, il y en a des nombreux. Ah oui. Alors, quand les gens veulent savoir quel était le premier occupant de mon lot ici, là, ben alors, vous allez voir là, au bureau d'enregistrement, puis ils vous donnent des grands cahiers, là, puis vous fouillez là-dedans, puis vous trouvez les contrats. Puis vous trouviez, en ce temps-là, vous trouviez que c'était beaucoup de Français, Irlandais, Anglais, il y avait un mélange. Les gens qui sont venus pour s'établir comme agriculteurs, tu sais, c'était des Canadiens français, ça, voyez-vous, c'est dans ces gens-là. Quand est venu, alors les bûcherons, quand l'époque des bûcherons, ben c'était les Canadiens français qui étaient dans les chantiers, là, voyez-vous, c'est pour ça que les missionnaires au-delà français pouvaient aller faire des missions dans ces régions-là, là où il y avait des... Bon. Mais quand le mouvement des mines est arrivé, là, les Anglais sont entrés parce qu'ils avaient de l'argent, ils ont. Alors, ils sont venus, hein, ils sont venus, et puis, quelques-uns ont quitté après. Il y en a quelques-uns qui sont restés, mais quelques... Si bien que ça a toujours été une région plutôt française, hein, canadienne française, mais il y avait beaucoup d'Irlandais, puis d'Écossais. En Angleterre, les trois, là. Et il y avait, par exemple, il y avait l'église de Saint-Antoine de Padoue, mais il y avait aussi une petite église, je pense, méthodiste. Elle est encore là, la petite église. Ah oui, blanche et verte, elle est cachée un peu, mais... Elle est encore là, elle est encore là. Ah, ah oui. Alors, donc, c'est comme ça. Et puis là, vous avez commencé à dire l'étude de ce troisième étude, puis vous avez parlé des îles. Oui. Ça va se faire parce surtout sur les îles. Les gens ne connaissent pas les îles du lac. Hein? Ils savent qu'il y a une île là, il y a une île ici. Mais, puis ça, là, je voudrais parler à la population du lac, là. C'est une occasion pour eux d'apprendre le nom des îles. Et pourquoi? L'île à Cornu. C'est quoi Cornu? Hein? L'île Link Bankhead. Qui c'est ça, Bankhead? Chaque île a un nom. Chaque île a un nom. Du Vic. Ah, ça, c'est un oblat.
Et puis, Mangin, ça c'est une autre petite île, c'est encore un oblat, ça. Vous disiez, qu'est-ce qu'ils font les oblats? Ben, ils ont acheté les îles. Ils pouvaient laisser leur nom. Ah. Oui, alors, c'était intéressant de fouiller pour savoir quel est le premier qui habitait là. Ben, qu'est-ce qu'un Américain? Autour de cet Américain-là, vous pouvez faire toute l'histoire du lac. Parce qu'au début, le lac était connu pour le poisson. Les gens venaient des États-Unis, s'amenaient à Montréal, descendaient par le train qui était bâti vers 78, et de là, on venait les chercher à Perkins. Il y avait l'hôtel Hamilton, avec deux bonnes teams de chevaux, comme on disait, là. Et ça, ils venaient chercher les gens à la gare, et les amenaient à la pêche. Oh. Alors, cet Américain a travaillé ici à l'ambassade. À l'ambassade, c'était une légation à ce moment-là. Alors, et puis, la fameuse actrice, là, je ne sais pas comment on prononce son nom, c'est... Tallulah Bankhead, ouais, oui, américaine. Mais c'était la nièce de ce monsieur Bankhead. Oh, mon Dieu! Alors, là, vous l'estimez beaucoup plus, non? Alors, non, c'était une danseuse aussi, oui, OK. J'ai cherché sur l'Internet cette actrice-là. Je m'entends vous laisser dire vous-même ce qu'on a dit. Pour elle, était vraiment extravagante. C'était quelque chose. Donc, c'est très intéressant parce que, remarquez bien, le lac McGregor est caractérisé par ses îles. C'est là la différence entre le Grand Lac, il ne faut pas le dire trop fort là, quand même, hein, entre le Grand Lac et puis le lac McGregor. Le lac McGregor, c'est un ensemble d'îles. Vous promenez le dimanche après-midi avec vos invités là, sur un ponton, par exemple. Là. Oui. C'est agréable, vous savez. Et puis, faites attention, apportez une carte. Vous allez vous perdre. C'est assez compliqué. Vous passez ici, vous êtes rendu là, puis vous demandez si vous êtes là, ainsi de suite. Alors, donc, moi, c'était toute une révélation pour moi. Je connaissais certaines îles, mais... C'est comme si j'ai appris le nom des îles. Je suis intrigué un peu par le nom des îles. C'est-tu la famille Dubois ou la famille Mallette? Il y a tellement de familles là-bas dans le coin-là. Puis ils sont tellement accueillants. Puis il avait parlé d'une montagne, puis il a dit c'est la montagne des Bleuets. Je dis pourquoi? Puis il y avait une histoire. Donc les îles, chaque île aurait une histoire, ou enfin. Absolument. Il y a une île qui s'appelle l'île aux moutons. L'île aux moutons. Bien, c'était qu'autrefois, les gens, au lieu de faire une clôture pour garder leurs moutons, ils mettaient les moutons sur l'île. Les moutons restaient là, bien entendu. Hein? Voyez-vous? Mais voici, j'ai découvert qu'il y avait une petite île au bout de l'île aux moutons. Et les gens de Québec me demandent, est-ce que ce sont deux îles ou une île? Alors, on est allé voir. On a questionné les gens. Ils ont dit, cette île-là est distincte. Mais elle n'a pas de nom. Alors, quel nom lui donner? Moi, j'ai suggéré, à côté de l'île aux moutons, il faut une île du berger. Le berger va s'occuper des moutons. Ça vous a pas tenté de dire pasteur, peut-être? J'ai dit aussi, il y a M. Untel qui habitait là, mais M. Untel, vous pourriez prendre un de ces trois noms-là aussi, mais de toute façon. Mais c'est amusant, tout en étant instruisant, disons. Instruisant, oui. Donc, celui-là a été cartographique. Celui-là aussi, il y a des photos superbes. Superbes, je ne sais pas si c'est les groupes aussi. Vous allez avec un groupe, vous n'allez pas seul quand même. Là. J'avais un compagnon qui, lui, avait une voiture. Moi, je ne conduis pas. D'accord. Nous deux, qu'on a fait ça. D'ailleurs, c'est Père Hudon, son nom est sur la couverture. D'accord. Moi, j'aimerais bien que, voyez-vous, on n'a pas fait de réclame pour ce livre-là, parce que c'est pas pour le grand public, c'est pour les gens de la place, c'est pour les gens qui habitent la Blanche, hein, voyez-vous? C'est pour ça qu'on voit tout de suite. C'est pas souvent que vous avez un chalet en quelque part, monsieur, puis qu'avec le contrat de vente, on vous donne un volume sur votre propriété qui remonte jusqu'à vos ancêtres ou ailleurs, hein? Non. C'est précieux pour les gens. Ils ont de beaux chalets. Il y a de très beaux chalets sur la rivière Blanche, mais ils ignorent le nom de la Blanche. Écoutez, Si on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas où on s'en va. Le méridien m'avait dit ça. Qui on est surtout, Puis là, je reviens encore à ma question. Là, vous avez été avec les vieilles cartes. On a vu aussi l'histoire. On a vu le parcours. Puis là, vous avez l'air à dire avec les îles que vous allez vous amuser. C'est plus... C'est fait.
Ah, oh, c'est déjà... Ah, oh, vous avez... Le livre est là, pratiquement tout réalisé. Ah! Alors, on parle des premiers habitants autour du lac. On parle ensuite des îles. Le nom des îles, l'origine de chacun des îles. Puis on donne des cartes. Et puis on donne les cartes de l'association du lac à différents moments dans l'histoire. Si bien que vous, si vous allez acheter un chalet, vous voulez savoir qui est allé avant vous, les cartes produites par l'association vous aident à trouver les autres propriétaires qui étaient là avant vous. C'est un instrument de recherche historique. Vous savez, ça, c'est un commencement. C'est quelqu'un qui veut ensuite poursuivre. Chacun pour soi peut se servir de cela. On donne les sources, on donne où on a pris les renseignements. Donc, c'est comme ça. Historique, vous dites hydrographique aussi, vous avez dit avec les cartes. Oui. Mais vous avez dit aussi amusant, ça veut dire que vous avez rattaché des légendes ou des histoires où les gens vont rester surpris. Oui, dans ce livre-là. Parce qu'il me semble qu'au auteur, on aime ça mettre des... Il y a des petites surprises. Mais comme de raison, il faut bien s'en tenir à l'histoire. Il ne faut pas inventer trop, là. Non, d'accord. Mais dans ce coin-là, dans ces temps perdus, il y a dû avoir du courage, il y a dû avoir la vaillance, que ce soit des oblats qui se rendaient ou que ce soit des colons. Il y a beaucoup de gens qui sont venus là au moment des mines. On achetait le droit des mines, des droits miniers. Hein? On n'achetait pas vraiment l'île, on achetait les droits du sous-sol. Puis quand c'est avéré qu'il n'y avait rien là, ben, le nom est resté, mais... Ah oui, ça, vous savez qu'à un moment donné, dans Templeton devenait le centre mondial du phosphate. Mondial, hein, du phosphate. C'est tout décrit dans le livre, ça. Mais à un moment donné, aux États-Unis, dans le sud, on a découvert du phosphate et puis on le produisait à moitié prix. Tout est tombé. Mais là, on s'est racheté en exploitant le mica qu'on avait rejeté pendant toutes ces années-là. On est allé chercher le mica là, dans les tas de broussailles. On a exploité le mica. Ça, jusqu'en 1942, à peu près. Là, en 1942, tout était fini. Blackburn, la mine Blackburn, c'était fini. Puis, il y avait même une voie ferrée. Est-ce que ça s'en allait jusqu'à la mine ou jusqu'à Perkins ou il n'y avait pas de voie ferrée du tout? Non, je crois qu'il y a eu. Ça, c'est très vague dans mon esprit, mais je crois qu'il y a eu question à un moment donné de faire un chemin de fer qui montrait vers le nord. Mais ça ne s'est pas concrétisé. Donc, si on voulait se rendre, c'était sur la route qui s'appelait la route de la Blanche, comme vous avez dit au début. Le chemin de la Blanche. Est-ce qu'un courageux pouvait suivre en canot? Puis ça descend. En fait, les étudiants qui étudiaient ici, au Scholastica Saint-Joseph, allaient en vacances. Et donc, jusqu'à Templeton, on prenait les moyens, donc les chemins de fer, etc. Mais là, on prenait le canot pour monter à la Blanche. On faisait des portages, mais on montait à la Blanche jusqu'à Perkins. Puis une fois rendu à Perkins, bien là, c'était plus large, alors on pouvait continuer. Et puis, une aventure est arrivée à un moment donné. Ils sont arrivés là, à la Brunante, là, à Perkins. Ils ne savaient pas où loger. Ils sont allés loger dans la petite église méthodiste. Ils se sont réveillés le lendemain matin dans la petite église. Ils ont dit, puis là, c'est bien. Il faisait noir comme un four, j'imagine. Il n'y a pas d'électricité. Non, il y avait dans ce temps-là, il ne fallait pas compter là-dessus. Non. Ah, ben, se rendre là comme aventure. Je vais rester encore avec cette question-là. Mine, bûcheron, agriculture, vous en avez parlé. Là, vous parlez du tourisme. En ce moment, Valdémont se vendrait de quoi? Il n'y en a plus de choses? L'agriculture n'a plus? Vigiliature, c'est ça. D'accord. C'est ça. C'est la troisième vocation. La première vocation, c'était le bois. Ça a duré assez longtemps, ça. Vous savez qu'ailleurs, c'était la grande époque du bois carré. Si jamais vous allez à Québec, allez voir le centre d'interprétation du bois carré. Ça vaut la peine parce que tout cela partait de l'Outaouais. Si on allait là. Mais Perkins était un petit peu à côté de ça, mais quand même fournissait un peu de quoi? C'était des pains, du pain blanc. Ah oui. Et les chênes, comme disons, ça s'est appris. C'était pas des stands, c'était... Oh, c'est des affaires immenses. Hein? Ah. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est que nous disions, donc, là? À propos des pains aussi, donc, on avait beaucoup pour le transporter. Ouais. Alors, la première vocation, c'était le bois. Oui. Ça a duré, ça, disons, de 1800 à 1875. Gros. D'accord. Puis ça dure encore, mais je veux dire, comme majeur, là. Okay. Et ensuite, c'était les mines.
D'accord. Les mines, c'était très fort entre 1975 et 1900. Puis après, ça a été décliné jusqu'à 1942. Hein. Mais là, entre-temps, on était peut-être les premiers, nous autres, les Oblats, à aller là en vacances. Ah, pendant tout ce temps, enfin... En vacances. Autrefois, les gens avaient des fermes autour. Là. Mais on a commencé, pour ainsi dire, pour faire de la blanche, là, une terre de vacances. On allait là 3 semaines. À la fin, on allait là pour 2 mois. Mmh. Donc, la troisième vocation, c'est le tourisme, si vous voulez, mais pour les gens, c'est d'être là, c'est d'être en vigiliature, hein, puis jouir. Alors, c'est intéressant en faisant l'histoire des îles, parce que là, vous voyez pourquoi les gens sont allés s'établir là. Là. Et puis les gens allaient là pour se cultiver, hein, dans cette nature extraordinaire. Là, les gens allaient là pour faire de la peinture, ils allaient là pour faire de la musique, hein, ils allaient là pour lire. Pour se cultiver, là je parle d'un monsieur en particulier, M. Roger Saint-Denis, c'était un grand bonhomme, puis oui. Lui, pour lui, c'était la moitié de sa vie. L'autre moitié était en ville, comme enseignant, puis la deuxième partie, c'était le lac. C'est pour ça qu'on a nommé une île, l'île Roger Saint-Denis. Quand je vous écoute, c'est tellement passionnant. Votre passion, c'est pas juste l'écriture. Je veux dire que moi-même, je passe mes vacances à la blanche. Je prends un mois de vacances, maintenant je suis retiré, je peux me payer ça. Uh-huh. C'est pas comme ça. Mais là, je peux passer maintenant un mois, là, et puis c'est dans la grande nature, avec les fleurs, les insectes, l'astronomie. Les insectes, oui, je suppose qu'il y en a beaucoup là-bas. Oui, c'est plutôt les insectes qui est mon intérêt. Mais de toute façon, là, c'est des fleurs, et puis le soir, bien, des choses. Il y a de la contemplation à faire dans cet endroit-là. Alors. Contemplation, méditation. Ah oui. Des bains de silence, c'est possible encore en 1999? Ah oui. Quand on regarde la passion, on voit le lac McGregor, on imagine un beau bateau, on voit la ligne là, qui est toute bandée, là, puis une truite extraordinaire. Mais là, vous parlez de passion culturelle, vous parlez de passion. De peinture, de chansons ou de poésie. Absolument, il y a beaucoup de choses qui partent de là. Alors. Est-ce que les gens s'aperçoivent réellement que c'est nécessaire, cette paix-là qui est dans Val-des-Monts? Ils la cherchent. Hein? Oui, les gens cherchent la tranquillité, puis là. Il y a eu beaucoup de créativité aussi. Vous remarquez ça dans les maisons qu'on bâtit. Ici, en ville, on va faire attention au style de l'environnement, de choses comme ça. Là-bas, chacun bâtit sa maison à sa façon. Et puis, ils font des choses merveilleuses. Les chalets, là, c'est d'une créativité extraordinaire. Moi, c'est mon plaisir de visiter les gens, puis de visiter leur maison, de trouver ça. Mais vous avez donc l'imagination. Mais ça se prête à ça. Ça se prête à ça, là. Vous êtes sur un terrain qui est comme ça. Comment allez-vous bâtir là-dessus? Vous avez un terrain qui est comme ça. Comment allez-vous bâtir? C'est là que l'imagination travaille. Et puis, ils font des merveilles. Ils tirent profit de tout. Alors, donc, ça, c'est encore une chose qui est caractéristique. Vous savez, on voit que... Des Canadiens français qu'on appelle maintenant des Québécois et des Québécoises. Absolument. La créativité, c'est la ténacité aussi, il faudrait qu'ils tiennent. Puis remarquez bien, cette situation-là a une influence sur les anglophones. Hein? Les anglophones de la région, beaucoup, beaucoup parlent français. Et s'efforcent de parler. C'est facile de voir ça. Téléphoner en quelque part autour du lac, ils vont dire, oui, laissez un message, on vous répondra. Please leave a message and we'll answer you. T'sais? Donc, c'est comme ça que les gens, ils ont à cœur, ils se rendent compte. Et président de l'association m'ont dit ceci. Moi, quand je suis devenu président, une des premières choses que j'ai voulu faire comprendre aux gens que nous vivons dans une province française. Et nous avons tout intérêt à apprendre le français. Alors, donc, on s'imagine qu'ils ont travaillé fort, ils ont fait ci, point final. La blanche, ben, c'est comme ça, point final. C'est tellement, tellement étendu. C'est-tu possible pour vous de dire un mot de la fin, un symbole ou un résumé, ben, si c'est possible? Voici, là, voyez-vous, là, si on comprend ce qu'il y a de contenu historique, là, puis de valeur actuelle, on va s'en occuper du lac. Hein? L'eau du lac est actuellement pure. Ah, c'est, oui. Mais il faut la conserver. Hein? Alors, c'est pour ça qu'on demandera aux gens de faire les abords, de promouvoir le... Et aussi, deuxièmement, de mettre des écriteaux pour indiquer là où la blanche, ou là où un pont traverse la blanche. À chaque pont où on traverse la blanche, que ça soit signalé, la blanche, on l'a dans plusieurs endroits.
mais il y a encore des endroits où ce n'est pas signalé. Donc, c'est la promotion de la blanche qu'on va faire. Ah oui. Mais je vois aussi un avertissement écologique ou un. Oui, il y a ça aussi. Un petit cri de faire attention. Il y a ça aussi. La pollution possible. Tout cela se tient. D'accord. Alors, ce serait intéressant, donc. Il faudrait intéresser la municipalité. Aussi. Oui, oui, oui. Le ministère aussi, la province de Québec, tout embarqué. Mais les gens, par exemple, à Québec, là, pour la toponymie, là, ils sont tout à fait au point. Ils connaissent très bien la région, puis on communique continuellement avec ces gens-là. Ah oui. Ils nous consultent. Puis, c'est pour ça qu'ils vont officialiser le nom du Vic et de Mangin. Ah, vous voyez. Ça a le sens de ce que les Oblats ont fait dans le coin. C'est normal. D'accord. Il n'y a plus de pont couvert dans ce coin-là. Ça, c'est encore de l'histoire. Je termine encore avec un autre mot que vous avez mentionné quelques fois. Là-bas, avec la blanche, c'est réellement, réellement sûr, on peut vivre une méditation, un repos, une paix. Ah oui. Parce que ça aussi, ça m'a... Ah oui. D'accord. Ah ben. Alors, ça va?